Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, nous allons faire une petite présentation pour ce module analyse numérique et algorithmique, SNP3. Première chose, nous allons voir l'analyse numérique. C'est un élément qui rassemble les méthodes numériques et les algorithmes informatiques. Donc, nous allons utiliser la physique pour résoudre des problèmes complexes. Nous avons quelques domaines de la physique qui utilisent l'analyse numérique. Par exemple, l'électromagnétisme, mécanique quantique, mécanique numérique, etc. Il y a une mécanique numérique. Il y a une méthode numérique pour résoudre des équations différentielles qui décrivent le mouvement des objets. C'est un exemple. Donc, on a des algorithmes ou bien des méthodes qui sont directes, discrets et itératives. On a résolu des problèmes d'interpolation, de dérivation numérique, d'intégration numérique. Et vous allez résoudre des systèmes linéaires, des systèmes non linéaires et finalement résoudre numériquement des équations différentielles. Bien sûr, la deuxième partie, il y a un peu qui peut exécuter des programmes ou bien algorithmes, les logiciels. Il y a un peu les bases de l'algorithme qui peut créer ou qui peut stocker des variables, etc. Donc, il y a un peu qui peut prendre les instructions, c'est-à-dire la résolution d'un problème de manière systématique. D'accord, tout le problème a une méthode. Donc, toute la méthode dépend du type de problème que vous avez résoudre. Donc, c'est le cas de l'aide, le module, l'analyse numérique et algorithmique.